Ce qui m'a amené à Lomé, c'est Lomé. Bon, je suis venue à Lomé parce que j'avais quelque chose à faire avec quelqu'un en particulier, Dodo Adogli, un grand réalisateur togolais. Son travail à distance m'a beaucoup parlé et il fallait que je vienne tourner un clip sur une de mes musiques qui fait partie de mon album. Et j'en ai parlé donc à Dodo qui a accepté de travailler avec moi, avec son équipe également sur place, avec des personnes qu'il a intégrées au projet. I'll be flying until I fly away. Le sujet s'est imposé naturellement. Le sujet de prendre un nouvel envol, le sujet de renouveau, etc. Donc on a imaginé des choses autour d'un artiste aussi qui s'appelle Tesprit, qui a beaucoup de talent, qui expose actuellement à l'hôtel Onomo, qui crée des tableaux à partir de tapettes en fait, qu'il récupère à la déchetterie. Comment cet artiste transforme des choses qu'on va jeter et qu'on n'utilisera plus, il les transforme en quelque chose de magnifique. Il fait des tableaux merveilleux et je pense qu'il ira loin. Ça m'a beaucoup inspiré, ça a inspiré Dodo, donc d'un commun accord et assez naturellement, on est parti sur cette idée. Tout de suite, je voyais déjà les danseuses, je voyais qui pouvait faire ça et je les ai contactées. J'ai contacté Estelle Folly, avec qui j'avais déjà travaillé sur un clip de Elam Vance. Le courant est très vite passé, elle a adoré le son aussi. Pareil pour les autres danseurs. Donc je pense que les idées se sont alignées et voilà, c'était décidé quoi. J'ai longé toute la côte depuis Agbodrafo jusqu'à Aneho. Et c'est un peu comme ça que j'ai repéré les lieux où on devait tourner en fait. J'ai découvert une église abandonnée. Je suis allé voir une maison précoloniale à Aneho avec une très belle architecture. Et finalement, ce sont ces lieux-là qu'elle a retenu pour le tournage. On a été dans des endroits, je pense aussi, qui avaient une histoire à chaque fois. Et du coup, bah, forcément, je pense qu'il n'y a pas que moi qui étais assez impliquée dans le projet. On a senti que toutes les personnes qui ont participé y mettaient du cœur. C'est la première fois que je tournais un clip sur cette durée-là. Généralement, c'est une demi-journée ou une journée au plus, mais jamais une semaine, j'ai jamais fait ça. On a tourné à Lomé, on a tourné à Aneho, on a tourné à Kpalimé. On est arrivé à Kpalimé là, pour la troisième partie du tournage, Keep Flying Until avec Dodo Adogli. Je pense qu'on va avoir de très belles images. C'est rare par ici d'avoir un artiste qui tourne un clip. Si c'est un documentaire, là d'accord, mais un clip dans plein de différents lieux comme ça, c'était nouveau pour moi. On a donné de nous-mêmes, on n'a pas lâché l'affaire quand il y avait quelques petits couacs, et encore, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Et voilà, la persévérance, la détermination, et je pense qu'il y avait vraiment l'état d'esprit général qui a permis que tout se passe bien. Je pense que j'ai beaucoup appris aussi. Et surtout à s'adapter, à faire avec certaines choses et à improviser, quoi. Je travaille pas seul aussi. Il y a derrière moi toute une armée de personnes qui m'aident. Et je pense que sur ce tournage, ils m'ont aussi été d'une très grande aide, notamment Emerson Lawson, il y a Gilles Ketevi, il y a aussi Roger Gbeku qui est réalisateur et qui m'a aidé sur la partie image aérienne.
s'ajoute aussi ma directrice artistique, Anya Kokovic, avec qui on a travaillé à distance. Du coup, ça a permis aussi de encore plus peaufiner toutes les idées qu'on avait avec Dodo, même si Dodo avait déjà très bien organisé tout ça. Quand un plan comme ça, c'est un plan super fort. Et je pense qu'il y en a pas mal. Elle a aidé aussi à ce qu'on garde bien la ligne directrice de et l'image de Laura Prince et l'image de Dodo et voilà et tous ces univers qui se corrèlent bien et qui s'adaptent bien. Ce que ça m'apprend là aujourd'hui, c'est aller encore plus dans le sens de être connecté avec les personnes qu'on rencontre. Même sans les connaître, en fait, on peut avoir vraiment une telle connexion que le travail peut être encore plus beau. Et aussi faire confiance à l'autre, faire confiance à son instinct. On s'est beaucoup amusé aussi, c'était pas que du travail. On a pris plaisir, en fait, à tourner ce clip. Et je pense que c'est aussi important. Quand tu prends plaisir dans ce que tu fais, naturellement, ça donne quelque chose de bien, quoi. Yeah. On va montrer un peu l'ambiance de la voiture. Oh, quelle bellure! À la base, je voulais pas partir avec une équipe française parce que je pense pas qu'ils auraient eu le regard que des Togolais eux-mêmes. Et je suis très contente d'avoir travaillé avec des artistes de talent et je suis aussi fière de ça en fait. Fière de représenter le Togo, les racines.